Il y a Monsieur Proust de l'Union Européenne, machin, c'est un député européen, il nous a filé des sacs et tout, on a gratté beaucoup de petits trucs. Taureau Distribution, voilà, il nous a fourni des lots, des petits trucs aussi dedans. Les gens qui étaient à l'Orga, vous avez le président des Black Légions là-bas à la buvette, on a les gens qui étaient à l'accueil, qui ont suivi les groupes, on a Yvon qui a pris des photos, etc. Voilà, ils sont saignés, ils ont fait le maximum. J'espère que ça vous a convenu. Et enfin, voilà, ceux qui morflent à chaque fois, voilà, le sale boulot, voilà, les arbitres, je pense qu'on peut les applaudir. J'ai oublié Kevin et Drôme Paintball, voilà, les Drôme, ils ont filé quelques lots, mais c'est bien pour sa pub, ouais. Voilà, ils ont des bonnes chaussures, c'est pas mal. Donc, voilà. Les remerciements sont faits, on va faire le classement. J'ai oublié de remercier aussi, enfin, les équipes. Ça s'est bien passé, je sais que dans chaque équipe, dans chaque région, on a un petit peu les guerres de clochers, on le ressent ici. Donc voilà, ce qui est bien, en fait, il faut garder le côté fun, voilà. Et donc merci les équipes, c'est toujours aussi fair play. Il y a toujours 2-3 prises de bec, mais n'oubliez pas, en fait, il faut faire abstraction de ça parce que quand il y a des engueulades comme tout à l'heure, c'est pas terrible pour les gens qui veulent découvrir le paintball. C'est pas la bonne image que les gens veulent voir. Donc voilà, il faut garder toujours... Après on sort, on va se parler plus loin et voilà, on règle les problèmes et c'est fini. Mais sur le terrain, ça donne vraiment une sale image. Voilà. Donc, on y va, on fait les classements. On commence par les 14e. Donc c'est les Crazy Hornets. On peut les applaudir. Tu t'es pas rasé, toi. Non, généralement, c'est pas bien bon qu'on me donne un micro. Simplement, super journée, première fois que je n'ai. Pas longtemps que je joue au paintball, super sympa. Bon, voilà, 14e, c'est mieux que 15e, mais comme on n'avait pas un 15e, tant pis, on prend la place de 14. Ouais, très bien. Allez, 13e, DSP. Ouais. Hey, c'est mieux qu'hier. Merci à tous pour la journée, on s'est gavé pour le terrain pour le week-end. Les arbitres aussi, c'est sympa. On reviendra l'an prochain. On remercie quand même le sponsor, Louis Chiclan Campbell, la bière d'Esperado, qui nous a été à tenir dans l'adversité d'hier soir. Et merci à tous pour cette super journée et ce beau week-end. On remercie toutes les équipes qui nous ont sorti très élégamment et les arbitres qui ont été gentils pour les out sans nous les faire trop violents. Merci à tous. Bon retour. Qu'est-ce qui se passe? Alors, Diabolique, 12e, on peut les applaudir. Ah, il y a des mecs intégrés dans le club ici. Merci pour cette journée, avec le beau temps, c'est une bonne ambiance. Merci à vous. Merci à vous les gars, bon retour. Alors, là, 11e, ça vient dans les montagnes aussi, là. C'est les Aurillac, Exo 7. On peut les applaudir. Il y a beaucoup de vieux là-dedans. Allez, 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 allez. Soyez pas timides, là. Bon, une très bonne journée pour nous. Voilà, ça a été difficile, on savait avant de venir, de toute façon. Donc, le résultat est en accord avec notre niveau. Voilà, on reviendra l'année prochaine, c'est sûr. Merci pour l'orga et à bientôt. Alors, ça commence. Là, c'est 10e. C'est nos amis les escrocs kids. On peut les applaudir. Ah, qu'est-ce que c'est ?
la famille Hernandez. Les kids, là, vous avez rien à dire ? C'est quoi ces mecs que t'envoies, Fernandez ? Allez, vas-y, famille. Bon, alors, on voulait remercier tout le monde pour cette journée. L'organisation qui était bien et tout. Merci à Chris de nous avoir amenés ici. Et merci aux arbitres aussi. Et donc, voilà. Merci à tous. Merci à vous, les gars. Alors, 9e, je pense qu'ils ont payé un peu la soirée d'hier soir, là. C'est les Vision 1. Jean-Phil, raccroche. On peut les applaudir. Et où le grand, là ? Merci l'organisation, merci les arbitres, merci à tous d'être venus. On espère être là l'année prochaine. Super. Merci. Alors, Vision, les numéros, c'est dans le sens inverse. Là, il manquait le 2 et c'était bon. Vision 3, 8e. Allez, reviens, Cassoule. Allez, Simba. Bon, on voulait remercier l'organisation et puis un peu tout le monde pour ce tournoi en espérant revenir l'année prochaine. Top, efficace. Par contre, ils ne se rasent pas eux non plus. Il n'y a pas de, rasoir. Alors, 7e, c'est nos amis de Valence, le Loisir Center. Alban, Alan. Merci. Merci Jean-Mi pour l'accueil. Merci à tous d'être venus. Première fois que je viens et c'est sympa, vraiment. Je tenais à m'excuser contre les Vision 2. Sur le dernier point, j'ai un impact dans le masque, continue à jouer, c'est dégueulasse. Voilà. Faut avouer à moitié pardonner le haut du masque. Voilà, je tenais à m'excuser auprès d'eux et après auprès des joueurs qui regardaient aussi. Voilà. Merci. Alors, les 6e, Vision 2. Ah mec, donne-moi ça et je vais te la cacher. Eh ben, merci à toute l'organisation, merci aux arbitres qui ont passé une journée compliquée. Un très bon tournoi, un bon niveau, on s'est fait plaisir, voilà. Merci à tous, merci aux joueurs. Allez, 5e, Languedoc Paintball. Allez, on peut applaudir. On voulait remercier l'Orga, les arbitres qui en ont pris plein la gueule toute la journée. On aimerait remercier aussi Languedoc Paintball pour la vie. Et puis Drome Paintball pour la super fonction. Voilà. Merci à tous d'être venus. Quatrième, section Paradise. On peut les applaudir, ils viennent de loin. Je crois que c'est les plus loin.
d'où les Pumas? C'est des habitués. Ils ont gagné l'année dernière. C'est des méchants. Bah, comme a dit Jean-Pierre, on vient tout le temps là. Pourquoi? Parce que c'est bien. Donc, ceux qui ne sont jamais venus, bah, ils le comprennent maintenant. Il y avait du super niveau cette année. On a passé un super moment, super arbitre, super ambiance. Comme d'hab, je suis content. Maintenant, je vais bosser comme un enculé pour payer le paintball toute l'année, mais je suis super content d'être venu là. Voilà. Bonne route à tous et à l'année prochaine si je suis pas mort. Alors avant le podium, on va vite faire le fair play. En fait, comme chaque année, on essaie de faire le fair play. Vous comprendrez que Poney, il n'a pas le fair play là. Non, je plaisante, c'est une boutade. Mais t'étais... C'est vrai. Alors, le fair play, on l'a mis, c'est pas à cause du classement pour consoler, c'était vraiment les arbitres qui ont délégué. Et l'équipe la plus fair play aux yeux des arbitres, c'est des hommes en vert, c'est les Crazy Hornets. Ils sont où les barbus là? Ils sont pas dans les voitures déjà. Les autres sont déjà à la voiture. Oh là là, allez. Tu sais ce que t'as gagné au moins? On vous a niqué, on a fait tricher en plus, on a fait que ça et on a fait le dernier en plus. Bon, bah. Non merci, on a pris pourtant un 1-for-1. Bon bah merci à tous, hein. J'espère que c'est grâce à vous. Voilà, à l'année prochaine. Bon retour les gars, eux aussi ils viennent de très loin. Allez, on y va. Les troisièmes, c'est UPC Army. On peut les applaudir. Et après, vous restez sur le podium. Ben, que dire de plus que ce qui a déjà été dit par mes collègues, super week-end. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas joué sur UPC Army. Ben, pour ma part, moi ça fait longtemps que je n'avais pas joué, donc ça fait plaisir de jouer déjà avec mes potes et de revoir avec quelques têtes de vieux brigands. Ça fait toujours plaisir. Un bon arbitrage, un bon tournoi. Voilà, ça nous a fait plaisir. Un bon dimanche. Merci à tous. Merci à vous. Alors, les deuxièmes, c'est pas qu'ils étaient bons, mais ils ont bien arrosé les arbitres. C'est les ruffians, ils sont où? Allez, venez. C'est eux qui ont mieux le payé les arbitres. Je remercie toute l'organisation, les arbitres, je sais ce que c'est, ça avait pour hier. Merci beaucoup à Jean-Mi, à Lolo, à Moana, et je ne vais pas me rappeler ton prénom, à Romain. On a monté cette équipe vite fait à l'arrache, on a surtout pris beaucoup de plaisir à jouer tous ensemble, et puis ben merci à tous. Merci mon Jean-Mi. Bon, pour remercier Vincent, on l'a arnaqué hier, on l'a mis avec les arbitres avec nous, donc il a été au top. Mettez-vous là-bas les gars, pour la photo. Alors là, c'est les champions. Plus escrocs que eux, il n'y a pas. Voilà, c'est Escro Team Pélissane. Ils ont encore mieux payé les arbitres que nous. On peut les applaudir. Ils ont plus payé que nous. Déjà, un premier remerciement aux arbitres parce que c'est vrai que ça a été vraiment une bonne journée au niveau arbitrage, je pense. On n'a pas eu la pluie, c'est génial. Voilà, je remercie tout le monde. On est content. Merci encore à East Coast Paintball, le sponsor officiel de l'équipe. Jean-Michel, qui se démène pour son tournoi et son associé chaque année. Super tournoi chaque année. Combien, 400? Oh, tu aurais pu le plus. Voilà, donc merci à tous et à l'an prochain. Bonne soirée et bon retour pour tout le monde.
Alors, montez sur la marche, on prend la photo, et ceux qui sont là, après, une fois qu'on a pris la photo, venez, on prend une photo de groupe, et voilà, vite fait, bien fait. Les arbitres, tout le monde, on fait juste une photo, vite fait. On se prend 3 secondes, et après... Pardon, les gars. Personne. C'est pas contre toi, Jérémy, je te jure. Allez, c'est bon. Venez tous comme ça, mettez-vous tous à hauteur du podium, on prend une photo. Les arbitres, Jérémy, venez. Venez tous, les joueurs, on se prend une petite photo là. Allez, soyez pas timides. Les visions, venez. Les gars, ceux qui sont là, venez pour la photo. Allez, venez devant moi. Allez. Venez devant moi. Yann, viens. Vivon, viens. Eric, Jackie Chan. Les gars, les Toulousains. Dépêchez. Notre petit coup. Merci à tous, bon retour sur la route.